Ancien Testament ou bien dans le Nouveau Testament, dans nous avons une base scripturaire, nous avons une base biblique, nous avons un verset, nous avons la parole littérale. Aussi, nous allons faire un voyage théologique parce que un thème nous allons dire qui n'est pas écrit dans la Bible. Forcément, ce sont des concepts, ce sont des thèmes théologiques, c'est-à-dire des notions qui plus ou moins académiques, intellectuelles, philosophiques, qui pas écrit noir sur blanc dans la Bible, mais qui par contredit avec la Bible. Bon, moi, si je vais un exemple, si je dis la dîme, est-ce que je vais faire pour dîme? Par conséquent, les bibliques. Est-ce que mon verset qui est écrit dans la Bible là, la Trinité, de Genèse à Apocalypse, mon verset qui est écrit Trinité. Par conséquent, thème ça, il n'est pas biblique, mais son thème théologique, mais qui n'est pas contredit que nous croyons en Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, moi, je crois que Dieu, alors, je ne vais pas finir, mais dit Dieu. Et Dieu en Père, Fils, Esprit, puisque plus que le langage qui dit, nous croyons en Dieu, Père, Fils, Esprit. Donc, et bon Dieu, et en Père, Fils, Esprit. Et bon triade qui est lié, mais c'est une révélation, c'est une manifestation de Dieu qui révèle Père, Fils, Esprit. C'est-à-dire, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu pendant ce temps et pas trois dieux. OK? Donc, c'est la substance divine qui est différente avec la substance humaine. La substance humaine, c'est un seul être qui est corps, âme, esprit, doté d'une seule personnalité, tandis que l'essence divine pas gagner un seul mode de personnalité, sinon gagner trois modes de personnalité. C'est pourquoi l'homme qui est limité, pas capable de comprendre personne ça, pour le moins qui est révélé dans la Bible sous trois formes de personnalité. Nous ne savons pas combien il gagne. Mais pour ça qui est révélé dans la Bible, c'est que la personnalité du Père qui distingue à la personnalité du Fils à la personnalité du Saint-Esprit. Donc, l'homme dit Trinité, il n'est pas un thème biblique, il y a un verset pour lui, mais il est un thème théologique. Est-ce que mon verset qui dit millénium? Si je cherche de Genèse à Apocalypse, je vais millénium. Même quoi un texte qui dit ils régneront pendant 1000 ans. Donc, langage biblique, c'est qu'ils régneront pendant 1000 ans, mais le concept théologique, c'est le millénium. Bon, moi, si je prends l'autre texte, on l'autre thème encore. Si je dis évangélisation, si je vais de Matthieu jusqu'à Apocalypse, je vais avoir un mot qui écrit évangélisation. Donc, parce que évangélisation, c'est un thème théologique. Mais je crois dans un contexte qui dit aller faire des nations des disciples. Hello? Donc, l'action de l'évangélisation s'y trouve, mais le thème, littéralement, est théologique. Mot évangélisation va apparaître. Est-ce qu'il me clair? C'est pourquoi la Bible n'est pas un livre à lire seulement, mais c'est aussi un livre à étudier. Automatiquement, on fait une lecture superficielle de la Bible. On va dire, mais ça qui est dans la Bible là. Et l'homme vient avec un autre bagage qui est calé dans le même contexte Bible là, mais dans l'autre langage qui est plus ou moins académique avancé. Ou qu'il y a un problème avec, parce que il faut nous accepter le niveau. OK? C'est pourquoi nous disons à ce nous allons faire autour du thème l'autorité du croyant et un voyage biblique et un voyage théologique. Applaudis le Seigneur Jésus. On dit alléluia. On dit alléluia. Et tu as comme senti sous cœur mon quand qui dit avec moi senti bien maître dit alléluia. Dit alléluia. On met pour occuper on met tout pour occuper me dit alléluia. Applaudis Jésus, applaudis Jésus, applaudis Jésus. Oh, 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 oh,
Dimension et vraiment converti de loin de près. Mais vivions l'homme d'amour. Mais chanter pour qui pime avec vous. Les 9 points de plus. Yes. Avec vous. Même cette dimension. Yeah. Moi sentime. Yeah. Jésus. Oh, la toucher. Alléluia. Non. Moi tu. Moi les vivions l'eau. Mon amour. Protection. L'air touché, que parole la transporte, que parole a révélé à soi. Hey. C'est de ça. Moi, je vivions là. Mouvement d'amour avec vous. Dis bienvenue, cet esprit. Avec vous. Applaudis le Seigneur, applaudis le Seigneur, applaudis le Seigneur. Asu an bata men se logos. Même ta men gen yon rima. Parce que nous pral parlons bagay asu an ki pa peti. L'autorité. Yes, on te fè yon introduction. Asu an nous pral fè yon développement. Et demain soir nous pral fè yon conclusion. Et bagay m'pap di asu ya, m'ap kite yo pou demain soir. Gen plusieurs textes. Le considérer, ça va dire nous parle très biblique et aussi très théologique. Son voyage en nous garder, on fait lecture dans Éphésiens chapitre 1. À travers lecture, ça on va découvrir un paquet de bagailles. En garder, mon oeil dans Éphésiens 1. Alors, on pas capable de lire tout passage là, on a supposé lire tout Éphésiens chapitre 1. Hein? Mais en allant dans verset 14, en prenant verset 11, en quête. Wow. Faut d'abord tout verset premier, on va obliger. Ok, si on va prendre tout verset premier, on verset dans la Bible, on va expliquer. Alors, oui, si on va lire tout Éphésiens premier à net, on verset, on va expliquer dans la Bible. On qui verset? 2 Corinthiens 5, verset 17 là. Qu'est-ce qu'elle dit? Si quelqu'un, que me texte ça bien pour moi petit là. Qu'est-ce qu'elle dit? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues. On a si toutefois un petit texte ça va où? On parle Éphésiens pour aux gens qu'on écoute 2 Corinthiens 5, 17 pour réciter. C'est Éphésiens premier qui va expliquer en détail 2 Corinthiens 5, 17 qu'il a fait nous réciter. Pour nous comprendre l'autorité du croyant, il faut entrer en dedans 2 Corinthiens 5, 17. Hello! Et en dedans, 2 Corinthiens 5, 17, il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs chambres qui en dedans Éphésiens 1, ma propre l'île. Paul, on allait,
apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, à l'occurrence Dieu le Père, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Ouais, on est dans 2 Corinthiens 5 17 avec nous là, oui. Est-ce qu'on n'a pas suivi moi, suivi des marches là. Fon avem, pas sous que tête moi fon avem. Verset 2, verset 3, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. 2 Corinthiens 5, 17. Donc, le fait nous dit 2 Corinthiens 5, 17, là, nous mettons notre bail dans la tête, nous qui mécanique, qui m'a bien récité là. Donc, il y a bon, nous dans 2 Corinthiens 5, 17. De Corinthiens 5, 17, mais on pas rentrer dans Ephésiens pour faire nous vivre de Corinthiens 5, 17 là. Son l'autre bagaille maintenant tête, non. Que je ne vais pas citer, je ne vais pas mentionner là. Mais qu'on comprend dans ce de Corinthiens 5, 17. On allait. Verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a. Et les choses anciennes, oui. Nous pas maudits encore. Qui nous a bé. De Corinthiens 5, 17. De quoi? De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, au pluriel, parce qu'il y a des dimensions célestes, il y a des régions célestes. C'est pourquoi le texte a dit, les cieux et les cieux ne peuvent contenir un Dieu. On allait, verset 4. Ok, lui, ça, pour nous, ça, qu'est-ce qu'il remplace? Hein? En Jésus-Christ, 2 Corinthiens 5, 17. Depuis, on dit, en lui, là, c'est 2 Corinthiens 5, 17. Hello. On allait. Premièrement, en lui. Un. Dieu. Nous avons. Avant la formation. Ouais, depuis qu'il est dans 2 Corinthiens 5, 17. Hello. On m'a dit, amen, bienvenue. Et Bible, la Bible, amen pour nous dire, oui, là. Et Bible, moi, là, dit, amen. Dis-moi, amen. Ouais, depuis qu'il est dans 2 Corinthiens 5, 17, depuis la fondation du. Ok, on allait. Verset 4. Verset 5. Verset 4. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Ok, 2 Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont passées. On allait. Verset 5. Destiné dans son amour à elle, ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Merci Seigneur. Verset 6. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée par son bien-aimé. Verset 7. 2 Corinthiens 5, 17. Deuxième en lui. 2 Corinthiens 5, 17. En lui, nous avons quoi? La rédemption. Donc, l'heure d'où lit 2 Corinthiens 5, 17, c'est pour d'où la rédemption. C'est pour d'où la prédestination. Et ça, qui théologique là, puis au bas où là, on allait. Nous avons quoi? La rédemption. Par son sang. La rémission des péchés. Mais ça, 2 Corinthiens 5, 17, là, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Verset 8. Que Dieu répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Et ça, 2 Corinthiens 5, 17, là, en dedans, nous avons sagesse, intelligence. Puis verset 9, nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Verset 10, pour le mettre à exécution lorsque les temps accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Verset 11. En lui, troisième de Corinthiens 5, 17. Amen. En lui, en Jésus, nous sommes aussi devenus héritiers. De Corinthiens 5, 17. Ah, c'est plus au doux, si quelqu'un est en Christ, il est un héritier. Pas dire une nouvelle créature seulement, pas expliquer une nouvelle créature là,
C'est l'in a fait mon l'in nouvelle créature. C'est pour dire là, c'est pour nous décaler vers ça, l'isayon héritier. Bah vous êtes doué ou qu'on ça héritier, les tiens, allez. Waouh, on dit alléluia. Héritier qui ça? Ayant prédestiné suivant la résolution. Waouh. De sa volonté, conseil de sa volonté. Depuis moi, conseil, moi, en pluralité. On allait. Verset 4. À la louange de sa gloire, nous qui d'avance est espéré en 2 Corinthiens 5, 17. Verset 13. En 2 Corinthiens 4e en lui. La parole de la vérité, l'évangile de votre salut en lui. 5e. Oh! Était scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre gloire pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Dis-moi, mena. Ou qu'il y a une parole là, non, mais on m'a manqué, révéla. Ok, on nous perce. Verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Wow. Et pas ce corps, non? Amen. Donc, ouais, l'homme a gagné deux yeux seulement. Les yeux de votre cœur, yeux non mou. On allait. Pour que vous sachiez que quoi? Quelle est l'espérance? À son appel, après, qu'est-ce qu'elle dit? Quelle est la richesse de la gloire? Eh, yes. Oui, yeah, on allait. Qui nous croyons, l'autorité du croyant, on allait. Qui nous croyons en sa puissance, grandeur de sa puissance, se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute, on a les mots, non, de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans les siècles présents, mais aussi. On applaudit le Seigneur. Mais ça me remet dans verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême l'Église qui est son corps, la plénitude de celui. Ok, on fait un petit rétro. Verset 21. Au-dessus de tout, qui sa domination est? Une dimension céleste qui a un groupe ange là-dedans. Hello? Domination ici, pas un mot seulement, c'est ange qui est domination. On allez. Après domination, qui t'a dit? L'autre dit autorité ici, c'est un groupe ange, en l'autre dimension. Dimension céleste qui est un groupe ange qui est autorité. Un groupe ange qui est là pour dominer sur le monde, mais un groupe ange qui est là pour faire autorité sur le monde, pas la même catégorie. On allez. De toute puissance, ça sont l'autre dimension ange qui est là qui a puissance sur le monde. Bien aimé, l'homme qui est dans la vie est parti combattre l'homme qui te mène. Si tu connais qui combat qui te mène à la croix, pour chita là, on t'a pas bon Dieu gloire chaque jour. Et Dieu nous pas ouvrir pour nous. Qui combat spirituel qui te gagne à la croix, à Gethsemane. Maintenant, à l'entrée dans le texte central pour Assoya.
dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. On allait. L'autorité du croyant. Donc nous sommes ouais, en lui. Éphésiens 6, verset 12. Ok. On va essayer de comprendre Éphésiens là. On allait. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais voilà, contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Chaque sao son région. Maintenant, pour qu'à comprendre l'autorité du croyant, mais ça m'a le fait pour m'a le bon structure ciel là. À soi nous parlons dans le ciel. Étant dans le royaume, par confondre le ciel et le royaume. Lors dit le ciel atmosphérique, il y a un ciel sidéral, deuxième ciel, troisième ciel, le ciel empiré, le royaume de Dieu. Et chaque ciel, ça a une dimension céleste là-dedans. Hello? Hello? Dans le premier ciel là, que nous là, ciel atmosphérique, là, il y a plusieurs atmosphères, stratosphères, lithosphères, biosphères, il y a un paquet là-dedans. Bon, il parle étude nous ça, ok? Donc, on a parlé sur ça, mais il parle. Dans le deuxième ciel là, qui c'est une frontière entre le premier ciel là et le troisième ciel là, parce que nous rappelons Israël a sorti en Égypte, là, il m'a été de fond. Hello? Qui était une frontière? Eh bien, pour entrer par désert, entrer dans Canaran. Et même ces mêmes gens trouvent l'église au son de la trompette de Dieu pour sortir dans le premier ciel-là, pour aller dans le troisième ciel-là. Il faut que le deuxième ciel-là, que c'est frontière, il faut lui ouvrir pour le passer et pour tout démon qui en l'air tomber sous la terre pour la grande tribulation. Hello. Bon, et pas la noyer. Pour nous comprendre l'étude à soi et l'autorité du croyant, il ne faut pas dans le royaume non seulement. Mais il faut dans le ciel. Le ciel, c'est une dimension qui n'est nulle part, qui n'est partout. Dans le contexte, troisième ciel. Mais le royaume de Dieu, nous pas gagner comme espérance. C'est l'église qui est déjà le royaume de Dieu. Hello. C'est pourquoi des fois, nous étions pauvres sous la terre. Nous étions misérables sous la terre. Pendant que nous prétendons le ciel. Et pourtant, nous pas voulu vivre. Toute dimension qui royaume dans la donne. Applaudis Christ. Dis-moi pour qui raison. Parce que la Bible dit dans Ephésiens, Christ c'est tête et nous c'est corps. Eh bien, si tête là c'est roi, corps là c'est qui ça lié? C'est royaume. Non? Dis ma mère. Depuis royaume côté, c'est royaume. Non? C'est pourquoi il y a la prière nous dit. Que ton règne vienne. Ça veut dire que l'activité céleste, que puissance agit, que autorité agit, que pouvoir agit. Bible a dit, si tout le monde chasse des démons, m'a guéri malade, le royaume de Dieu est donc parmi vous. Dis-moi maintenant. Depuis que on l'église, ouais, des démons qui ont chassé là-dedans. Mon a guéri là-dedans. Par la puissance du Saint-Esprit, c'est le royaume. Il n'a pas dit, et dans le ciel, moi, pour aller, ma vie pour le ciel. Non, joui au royaume. Du royaume, non. C'est pourquoi mon nom était cocobé dans l'évangile. Parce qu'il y a tant de futurs, il ne peut pas expérimenter le présent étant dans le royaume. Pas tant d'enlèvement. Plutôt tant la présence de Christ qui descend là où deux ou trois sont assemblés en mon nom et l'être au milieu de nous. Dis-moi maintenant. Au lieu d'attendre que nous transformions pour aller dans le ciel, mais plutôt nous réunir avec nous pour nous gagner. Puissance, grâce qui descend, parce que Somme 133 dit, voici, il est doux, il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête, supériorité, sur la barbe, qui descend sur la barbe d'Aaron et puis sous le corps. Donc c'est dans tête qui a onction, c'est tête Christ qui a onction, c'est tête Christ qui a grâce, qui descend dans le leadership et puis qui envahit corps l'église à la plénitude de sa gloire. Applaudis le Seigneur pour moi là, applaudis le Seigneur là. Et ça, croyons, non. Mais on attend le ciel. Bon, ou ka mouri pauvre, on va prendre ciel, ou dans ciel, ou ka mouri pauvre, misérable, parce que nous ne comprenons pas ça, royaume, non. Na vie pour le futur, mais nous ne pouvons pas vivre pour le présent dans le royaume. Et c'est là que nous perdons l'autorité, nous. C'est là que nous ne pouvons pas saisir Kai.
C'est là que nous avons saisi la machine. C'est là que nous avons l'autorité. C'est dans le royaume pour nous saisir les clés du royaume. Hello. Les clés du royaume, mais pas dans le ciel. Les clés du royaume, c'est sous la terre pour nous ouvrir la porte, pour une relation. Pour une relation, pour un contact. Mais nous avons le ciel. Ok, bon. Pour nous avoir le ciel, même qui aime vivre le royaume de Dieu. Avec des Christ en mi-temps, qui s'en besoin comme en Christ en mi-temps, besoin lèvement? Benaka. En Christ en mi-temps, m'a tendu lèvement. Eh bien, si Christ avait moi, m'a joué Christ, m'a pris sans Christ, m'a pris odeur Christ. Si Christ déplacé, c'est tête là, les corps à tout déplacer. Amen. Pas d'où est en Christ son faux espérance qu'elle y est, mais m'a d'où en nous vivre royaume non, pour nous comprendre l'autorité du croyant. Bon, mon amen. Bon, mon deuxième amen. Bon, mon troisième amen. Bon, mon quatrième amen. Bon, mon applaudissement du Seigneur. Bon, mon applaudissement. Vive Jésus! Pour comprendre le thème, ça a souhaité. Je me rends compte qu'il est là. Ok, yeah. C'est l'introduction de fait. C'est le développement. Nous allons faire. Demain, c'est pour nous faire conclusion. Pas rater demain, c'est Dieu, non? Assoya pour comprendre le thème, l'autorité du croyant, il faut comprendre le ciel. Parce que, je vais faire un gros exercice parce que même moi, je ne peux pas comprendre. Je vais faire comprendre le ciel. Christ dit, si tout le monde parle de sur la terre, je vais comprendre le ciel. Je vais faire une structure ciel là. L'importance de l'autorité du croyant. Qui sa autorité y est? Je te pose la question ça. C'est délégation du pouvoir. En dans autorité, il y a deux éléments essentiels. Combien d'éléments essentiels, moi dit? C'est le pouvoir de commander et d'imposer ta volonté. Deuxième élément, c'est d'être obéi. Je vais m'expliquer bien. Là où l'autorité a deux éléments de comprendre. Ou a un pouvoir pour imposer volonté ou pour commander. Et l'autre élément, il y a une autorité pour obéir. Je vais imposer volonté et même que ça doit faire obéir. Est-ce que y a quelques textes? Non, même. En nous prenant Somme 103 pour moi, verset 20, verset 21 pour moi. Pour me faire comprendre nos bagailles. Prends texte ça pour moi. Somme 103, verset 20, 21. Pour me comprendre, faire comprendre ça, autorité. Dans Somme. Somme 103, verset 20, 21, moi. Bénissez l'Éternel. Vous, ses anges. Vous, ses anges. Comment enjoyer? Puissant en force. Nous avons autorité, oui, mais un jour puissant en force. Si y a exécuté ce qu'il a obéi avec une autorité, il a exécuté ses ordres. Mais sa autorité y a. Après, en obéissant et pas très bien à la voix de sa parole. Attendez bien, mes amis. Pour ça ne pas dire et qui obéit à la parole. Mais qui ça le dit? Ou kali parole là, ou voyant des voix qui n'ont parole là, ou voyant des sons qui n'ont parole là. C'est pourquoi autorité nous parle dans verset biblique là qui écrit là. Li écrit dans voix qui nous perce qui entend parole là. Voilà. C'est pourquoi Christ dit quelque part, les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Ou kali le logos, ou pas gen autorité pour utiliser. Parce que ou pas gen esprit et parole là, ou pas gen vie dans parole là, qui c'est puissance là. Un jour, vous pas exécuté la parole de Dieu seulement. Vous exécuté avec spécificité la voix. Ou kon pour qui raison? Vraiment, pour qui raison ces voix parole là autant dans Somme 29. On dit alléluia, bien aimé. Nous pas avec là, nous avec. On dit alléluia. Pour qui
raison, on a dans psaume 29, rapide, verset 7 avec moi. Nous allons comprendre la dimension de démarche ma fait. La voix de l'Éternel fait jaillir. Pour qui raison c'est voix puis entendre? Parce que voix a une autorité. Et la parole a une autorité. Ou carré si ton verset, moi c'était même verset. Mais une voix moi dit. Pour qui raison? La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu, des puissances. Après, la voix de l'Éternel fait trembler le désert. La voix de l'Éternel fait tremblement de terre. En aller, puissance. Oui, vous m'êtes continué pour moi. La voix de l'Éternel fait enfanter des puissances. Il fait mon accoucher. Amen. Allez, que vous avez accouché, vous pouvez faire petit et puis vous mettez en perdition. Et puis, vous qui prononce son parole sur vous, pousse petit monde. Non, allez, il crée la parole de Dieu créatrice. Continuez pour moi. Il dépouille les forêts, il fait gros vent. Gloire. Contexte qui dit, la voix de Dieu est majestueuse. Wow, attendez bien. Qui sont vraiment majestueuse? Son fille, qui compte comment pour parler à Maril, qui a expliqué ça. Oui chérie, oui doudou, oui mon amour. Laisse cet esprit à parler avec nous, c'est un gentleman. Laissez cet esprit à parler avec nous à travers la parole. Son bail qui est terrible. C'est pourquoi là, on est grand-père du Saint-Esprit par Adami. Il est saoulé. Parce que les gens sont en Batafia. Il est épaulé. Il dit tout bagarre. Ou pas, il y a un bon fou pour faire drogue pour le prendre. Il fait drogue. Il a triplé tout le monde. Il fait caractère pour prendre drogue. Parce que les drogue, il bat tout le monde. La Bible dit soyez au contraire remplis de l'esprit. Parce que l'on a analogie du vin de l'esprit. Ou te parler, Jean, la voix de Dieu parler. Démon, pas qu'à pas tomber. Parce que la voix de Dieu est majestueuse. Démon, mon petit démon, viens maquiller, assieds-toi ici, mon petit démon. Ou parle avec petit démon pour son petit chien, ou avec elle, tout tous. Elle va applaudir le Seigneur, moi, moi, là. L'organe autorité, on va faire bruit. Tout n'est qu'on va dire, hey, madame! Son lâche, son faiblesse. Tout le monde va dire, hey, tu gars, ce chien là! Son faiblesse. À que l'autorité pas fait bruit, l'autorité est calme, l'autorité est majestueuse d'elle parler. Et ma petite fille, mon petit garçon, mets-toi ici, c'est fini. Applaudis le Seigneur, applaudis le Seigneur. Alors on va comprendre, un chrétien qui dit cet esprit, alléluia, merci Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Son faiblesse, ses pelles, son émotion, le père. Mon petit démon, assieds-toi pas ici, s'il te plaît. Ok, mon petit démon, assieds-toi. Ok, ah, mon petit démon, va sortir là, bon, mon chemin pour me passer. Au nom de Jésus, applaudis le Seigneur. Mes amis, maman, tu n'as étudié là, parce que c'est voyage, je vais le faire. Je me rappelle pendant que je suis dans l'église, je suis là, quand je suis marché à Haïti. Et puis, mon démoniaque, fils a été fait taekwondo. Il était gagné. Un point, un degré, il te prend dans le monde invisible. Fait combien de jours, n'importe 15 jours, dans le monde invisible, il est monté au ballon, gros grade, qui a fait presque toute zone ça là. Tellement grade, t'es grand. Et puis, il a rencontré avec ma prêchion l'évangile, et puis il parle avec moi. Mais invité dans l'église là. Pendant que je m'invite dans l'église là, et puis, m'a suivi une étude, Michita, et puis dans le bureau d'études là, il a dit, frère Ronald, parce que je n'ai ni une ordination, ni comme docteur, ni comme pasteur, et puis il a dit, frère Ronald, est-elle. Et là, il y a un problème dans le bureau à Vini. Pourtant, il n'y a ni pasteur, ni prédicateur, ni évangéliste. Il dit, frère Ronald Vini. Ce nom, c'est autorité à m'expliquer dans la pratique. Oui, là, attendez bien. Frère Ronald. Je ne dis pas c'est évangéliste, pasteur, qui a autorité. Non, mais pour montrer aux hiérarchiens, pasteur l'église là, évangéliste l'église là, prédicateur là, moniteur là, dame missionnaire là, mais qui assure les frère Ronald. L'aime paraître, frère Ronald, comment paraître. Et puis, nous avons des démons à clap dit, Mendifea, allez. Même pas, ça diffère, je vais regarder, je vais comprendre. Je vais regarder, moi, c'est moi qui peux avancer avec la puissance de Dieu. Et puis, le démon tombe. Je ne vais pas dire rien encore. Ça a l'air autorité. Quand on dit mon autorité, onction, mon Dieu, bah, ou pas, tout démon, démon doit aller. Mais des fois, tout le monde a une sagesse. Qui ça, Michel? Michel,
un ange. Mais il y a une catégorie ange. Il y a un archange. Qui ça me dit? Qui est-ce que ça pour moi? Qui ça vous dit? Archange Michel. Je vais vous montrer autorité. On a dans Apocalypse chapitre 12. Il y a eu guerre dans le ciel. C'est pour les gens qui font une conclusion pour comprendre. Apocalypse chapitre 12. Côté qui dit, il y eut guerre dans le ciel. On prend verset 7 là pour moi. Qui ça nous dit Michel Lier? Yon archange. Campé là. Qui ça qui passe entre Michel, archange Michel, dans verset 7 là? Qui ça dit? Il y eut guerre dans le ciel, dans le troisième ciel là, il y a une guerre qui éclatait. Michel et ses anges combattirent contre qui? Contre le drap? Dragon, ça, qui salte lui-même? Grande question. Dragon, ça, c'était un chérubin protecteur. C'est autorité, m'a expliqué, nous là. Qui ça, Michel dit? Un archange. Une catégorie. Son conclusion m'a tout fait avec nous là et puis les balles font un petit avec nous là pour nous poser des questions. Qui ça Michel lié? Qui ça dragon te? Mon chéri ben, pas gain temps pour voir tout détail même tout dit pour. On a dans Jude 9. Non Jude 9 après 3 Jean. Jude 9. Oh, l'archange Michel. Ouais. Oh, ouais, comment la Bible son continuité. Apocalypse dit Michel, mais Jude la même catégorie ange. Est-ce que nous comprenons? Bon, qui ça te dit là? Oh, l'archange Michel. Lorsqu'il contestait avec le diable, il était une autorité en l'air pour te goumer avec dragon, hein, le diable. Et même là, le diable finit précipité en bas. Juste dans l'époque Moïse, il y aurait voué à Kanjian par autorité pour venir parler avec dragon encore. Regarde qui attitude li. La première attitude là, il goumé avec. Hello. Dans deuxième, il n'y a pas goumé, non. Il a discuté, il a négocié. Le corps de Moïse. Il pas joué, il pas dit bêtises. Il pas dit chien démon, t'es mon chien et démon. Non, on va voir à chrétien, on va dire t'es mon chien cochon cabrit. Non. Gon langasse au nom de Jésus fini, OK? Et sa autorité. On allez. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Ouais, comment monsieur respecte yon hiérarchie? Hello? Malgré dragon hein, précipité parce que son archange lié, les respecter autorité a, les respecter dignité. Dignité, pendant que dragon, c'est un chérubin. Pour comprendre que c'est un chérubin qu'elle était, il faut aller dans Ésaïe chapitre 14. On allait rapide, parce que je me dis, je suis très biblique. Hello? Je suis très biblique. On allait dans Ésaïe chapitre 14. Pour me montrer que dragon, qui ça a été? Qui ça a Michel été lui-même? Archange, en catégorie. Mais qui ça a dragon été lui-même? Ésaïe 14. On allait. Qui verset pour d'abord là? Verset 12? Allez pour moi. Prends verset 12. Allez moi non. Et voilà tombé du ciel. Astre brillant. Fils de l'aurore. Tu as battu à terre. Yeah. Toi le vainqueur. Des nations. Tu disais en ton cœur. Je monterai au ciel. Troisième ciel dimension en l'air. Je lèverai mon trône. Les étoiles de Dieu. Voilà, les anges. Je m'assiérai sur la montagne des assemblées. Yes. De l'assemblée. À l'extrémité du septentrion. Yes. Je monterai sur le sommet des nues. Yes. Je serai semblable. Yes. Très haut. Well, ok, monsieur. Allez, allez. Mais tu as été précipité. Yes. Dans le séjour des morts. Yeah. Yes. Ce qui te voit fixe sur toi, sur le regard. Yes. Très bien. Là,
clair. Nous étions ouais qui nous a parlé là. Après nous tout clair. Nous là quand Simon nous est nous clair là. Il a parlé de un chérubin protecteur, le chérubin protecteur. Donc personnage ça qui tombait là. Nous étions dans le troisième ciel là. Mais en dans le troisième ciel là, il y a l'autre ciel en dans chaque ciel là. En oublier parce que qui ça me dit trois ciels. Ma très biblique parce que Paul dit moi ravi jusqu'au troisième ciel. Donc nous quittons le premier ciel là. Nous avons quitté le deuxième ciel là, à ce que nous prenons le troisième ciel là, et nous prenons nos scriptures au troisième ciel là. Qui peut venir avec nous là? Non? Troisième ciel. Après donc que nous quittons le premier ciel là, qui c'est atmosphérique, nous quittons le deuxième ciel là, qui c'est sidéral, nous prenons le troisième ciel là. En dans le troisième ciel là, nous prenons le qui étage qui en dans le troisième ciel là. Dis m'amen. Dis m'amen. Dis parler docteur, dis parle docteur, dis parle docteur, dis parler docteur, dis parler docteur. Allez, n'a pas quitté premier ciel là, n'a pas quitté deuxième ciel là, nous prenons troisième ciel là. Là nous finissons dans le troisième ciel là que nous y là, nous prenons là, nous parlons qui dimension qui vient en dans troisième ciel là. Que bon Dieu bénisse. Tout ceci si m'pas expliquer, nous pas qu'à comprendre l'autorité du croyant. Nous parlons dans la création primitive. L'homme dit la création primitive, nous parlons dans la première catégorie être que bon Dieu t'a créé qui par l'homme. Hello? Hello? On allait. D'après ce que tu ciel là, dans le troisième ciel là, qui c'est le trône de Dieu, la maison de mon Père, Christ dit comme ça, je vais vous préparer. Et quand je m'en serai allé et que j'aurai vous préparé une place, je reviendrai. Qui l'est? Je ne sais pas. Parce que tu as trop de gars dans le troisième ciel là. Parce que Apocalypse te dit, il y a guerre dans le ciel. Dis-moi maintenant. Je ne sais pas si je clair là. Je ne sais pas si Jean 14 clair pour nous. Dis-moi maintenant. Puisque Apocalypse dit, tu as une guerre dans le ciel là. Et si tu as une guerre, tu as pile de gars. Et Dieu qui te dégage là, comme témoignage. Hello, 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 hello. Les gens, première guerre mondiale, combien de monde qui mourit? Deuxième guerre mondiale, combien de monde qui mourit? Guerre en Corée, combien de monde qui mourit? Guerre Ukraine, combien de bombes qui ont tombé? En pile cra écrasé, en pile mourit, en pile de gars, parce que la guerre, c'est là, la guerre des humains. Mes amis, mes anges ont fait guerre avec technologie angélique. Dis-moi maintenant, bien-aimé. Dis-moi maintenant. Vous savez que ça dit la vainqueur des nations, puissant, autorité. Eh bien, il y a dans le ciel. Mais ça va s'écraser, il crase. Et pour me faire comprendre plus bien, il faut retourner dans l'Apocalypse 12 avec vous qui dit ça que entraînait un tiers des étoiles. Qui ça un tiers veut dire? Son fraction. Sous chaque trois, bagaille bon Dieu gagne, il prend yon. Hello? Qui quantité ange mon Dieu gagne? Des myriades et des myriades. Mais sous chaque myriade, des myriades, ça, monsieur prend une myriade. Quantité ange mon Dieu gagne, ou après, qui quantité démon qui gagne? Parce que monsieur prend un tiers des étoiles. Maintenant, nous dans le troisième ciel là. Y a vrai? Dans le troisième ciel là, Esaïe dit mon bagage là, m'sou dans 14 là. Pendant que m'sou dans le troisième ciel là, m'sou dit la monter. Dis ma mère, non. C'est que en dans ce troisième ciel là, il y a une région supérieure, il y a une région inférieure, et dans le troisième ciel là, il y a ce nombre. Esaïe 14 dit la monter, la mettre trône pâle, piro que trône bon Dieu. Ça veut dire dans le troisième ciel là, il y a plusieurs dimensions. Et c'est la sagesse de Dieu. Qui ça, bon Dieu, fait? Dans le troisième ciel là, il y a 9 catégories. Dans le troisième ciel là, il y a 9 régions ciel. Dans le troisième ciel là, il y a 9 dixième catégories qui c'est la plénitude de Dieu. Amen. Il y a une substance qui va gagner ni hauteur, ni longueur,
ni largeur, ni profondeur, que nous relève Dieu. Et c'est substance ça que nous pas gagner ni limite qui va commencer, qui va finir, qui infini, ni longueur, ni profondeur, que nous relève comment Dieu, qui d'accord, qui pour révéler, qui pour manifester, pour un jour elle. C'est pourquoi l'aile dans le ciel, la Bible a dit, l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le créent. Parce que l'aile dans le ciel, qui ça le doit? Ange volé, parce que parmi les anges, dis-moi maintenant là. Les sous la terre, il faut la parole tourner cher pour qu'elle parle avec nous. Amen, amen, amen. Est-ce que nous comprenons le langage? Bien. Mais l'aile pas mis bête. Il obligé le lion de la tribu de Judas. Il est obligé, je la lion de Dieu qui ôte le péché du monde. Elle ne pas applaudir, elle ne pas applaudir parole ça. Elle ne pas applaudir parole ça. L'aile parmi les plantes, folles, c'est la rosée de l'hermon. Le lit des vallées. Donc, il manifeste ces gens-là, façon-là. Donc, mon Dieu, ça ne va pas comprendre. Et dans le mystère, nous y est là, oui. Qui va nous y est dans le troisième? En dans troisième ciel là, gon premier ciel, gon deuxième ciel, dans troisième ciel là oui, dans premier ciel là qui ça, dans troisième ciel là qui ça gagne, gon premier ciel inférieur, gon deuxième ciel supérieur, gon troisième ciel, gon quatrième ciel, gon cinquième ciel, gon sixième ciel, gon septième ciel, gon huitième ciel. Gon neuvième ciel et puis reste là c'est une substance qui aurait les Dieu. Hello? Est-ce que nous avons un texte biblique? Oh, ça Salomon qui t'a répondu moi. Salomon qui t'a dit mon cher, mais réponse là, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir un Dieu. Ça veut dire les cieux pluriel et les cieux des cieux. Applaudis le Seigneur pour moi là. Et dans le ciel, maintenant nous là, dis alléluia. Alléluia. Mais quand nous prenons oui. Oh, 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 dans le ciel, moi. Mes amis, et pas côté, et pas monter, nous prenons monter, non? On dit alléluia. Les cieux et les cieux des cieux. On dit ça encore. Les cieux et les cieux des cieux. Dans le ciel, yo, chaque ciel, il y a un ciel en dans le ciel. Yo. Qui bon nous y est? Troisième. Dans le troisième ciel, il y a un premier ciel, un deuxième ciel, un troisième ciel, un quatrième ciel, un cinquième ciel. Gon sixième, gon septième, gon huitième, gagnons neuvième. Gon neuvième. Maintenant, l'aime se dit la montée, et parce que tu es dans une région inférieure, dans le troisième ciel, elle a besoin de monter dans une région super, c'est la sagesse de Dieu. Bible en vérité à soi. Chaque fois, on nous dit nous ça. Monsieur, ça, il t'écoute bon Dieu. Et quatrième position, il dit menti. Oh, après le Père, quand il y a des gros prédicateurs, après le Fils, après le Saint-Esprit, c'était le Lucifer. C'est pas vrai. Qui ça me dit là? À la lumière de la parole de Dieu, avec autorité, qui ça me dit? C'est pas vrai. Je comprends ça, tout le monde, petit monde. Mais les yeux commencent à ouvrir, je me dis, c'est pas vrai. Je ne suis pas dans la quatrième position. Je me dis là, mon, pour me trôner, c'est dans une région inférieure. Et là, nous parlons avec nous. Première catégorie, premier ciel qui est dans le troisième ciel là, par contre, qui distance qui sépare un ciel à un autre ciel. Par contre, qui distance ça. Parce que les anges courent à une vitesse. À une vitesse supérieure. Par contre, qui distance qui gagne entre un ciel à un autre ciel. Mais dans le premier ciel là, c'est ange qui la donne. Ange, ça y est, les messagers. Ange qui est plus simple. Dans le deuxième ciel, il y a un autre groupe d'anges qui la donne.
Deuxième groupe qui dans deuxième groupe en sa lui-même, yo relé en sa yo les archanges. Qui ça Michel Té? Est-ce que comment c'est clair là? Est-ce que comment c'est clair avec? Est-ce que comment c'est clair dans démarche là avec là? Qui ça ah, Michel Té? Qui ça t'a fait te goumer avec le drap? Ah bien OK, n'a marché. Premier ciel là qui ça la donne? Ange qui ange messager, ange qui plus faible dans hiérarchie son l'armée. Elle a dit l'armée de l'Éternel, c'est ange qui c'est soldat, chaque grade, chaque catégorie. Hello, hello, hello. Non l'armée, il y a plusieurs bataillons de soldats. Et bien ça qui passe la mesque du ciel là. Premier ciel là qui dans troisième ciel là, qui ça la donne? Ange messager. Deuxième catégorie ange, ça la donne? Les arts, leur dit, ah, c'est une catégorie ange qui est supérieure. Qui ça, Michel Té? Qui bon? Donc, qui bon, Michel Té trouvé? Dans le deuxième? Dans le deuxième ciel là. Vous voyez ce qui bon, M. Té? Troisième ciel là, nous relais les principautés. Premier ciel là, qui ça gagne? Ange, messager. Deuxième ciel, archange. Troisième ciel, les principautés. Dans le quatrième ciel, là, dans le quatrième ciel, là, nous parvenons à l'autre catégorie en dedans nous-mêmes, qui c'est les puissances. D'ailleurs, il y a un paquet de versets là qui mentionne l'autorité, domination des puissances, c'est angioyé, c'est dimension angioyé, c'est ciel yoyé. Première catégorie, comment elle est? Ange messager. Deuxième, non, c'est? Archange. Troisième, non, qui s'allie? Principauté, qui l'a pour faire principe sous le monde. Son autre catégorie ange qui est plus puissant que Michel. Hello, 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 hello. Ouais, bon, je n'ai pas voué en ça, non? Je voué archange Michel. Première dimension, c'est là, c'est qui ça lié encore? Ange messager. Deuxième, non, qui ça lié? Troisième, non, c'est? Et quatrième, non? Nous avons dit ça, c'est plus rapide. Première, qui ça lié? Ange messager. Deuxième, non, c'est? Archange. Troisième, non, c'est? Quatrième, non, c'est? Cinquième, là où les vertus. Toutes les vertus des cieux disent tes manies. Oh, vous pouvez chanter? Vous pouvez parler? Bah, vous avez un applaudissement pour moi là, non! Ça, c'est un cantique qui inspire. Il y a son nombre. Première catégorie en genre. Ange messager. Deuxième dans relé. Bon énergie. Troisième dans relé. Et quatrième non. Et cinquième non. Puissant. La vertu. L'op chante cantique ça. C'est dans dimension céleste. Ou ap tan dans catégorie ange kap chante. Et pour ap répéter ça y ap di ya. Hello, bien-aimé, bien-aimé, c'est navem là. Les gons adoration en sa ou tombe chanter avec nous. Y a fait nous répéter. Et ou senti une sensation qui c'est onction. Et puis, ou amplifier voix. Yes. Nous pas pour compte, non. Nous sommes environnés d'un si grand nombre d'été. Témoins, ça va être ange. Oui. On allait. Première catégorie, ange. Deuxième, non. Troisième nan, quatrième nan, cinquième nan. Alléluia. Sixième nan, les dominations. Comment sixième nan, les dominations. Mais ce que tu ciel là. Oh, bien aimé, qui grand jour ça va y être. Oh, Seigneur. Wow, ça c'est un bagage. Même ça c'est son lumière. Ça c'est ce cristal qui est en l'air. Qui parle, qui belle palais. Palais cristal. Ah, avec un t-shirt en or. Pour tout le monde qui voulait aller avec. Monsieur, venez dans votre nom.
dimension ça regardez n'a tellement Congo n'a dit qui ça elle comment est-ce que c'est Jacob Brel là ou bien Abraham la foi ou bien est-ce que c'est Henri pareil Rigida on dit alléluia waouh première catégorie à relé deuxième dans relé troisième dans relé quatrième dans relé sixième dans relé on va commencer à zéro première relé deuxième dans relé troisième dans relé quatrième dans relé cinquième dans relé sixième dans relé les dominations mais qui bon ah, Michel Théré deuxième degré. Qui ça, Michel Lié? Ange, deuxième degré. Donc, en dans troisième ciel, là, il y a une triade. Premier triade, là, il y a trois dimensions ciel. Première dimension, c'est les anges, les archanges, les principautés. Ça, sont triades. Mounsa, yo non conseil pour contre. Et dans chaque triade, yo gagne un ange des anges. Qui c'est un type de archange. Un archange des archanges spécial. Parce que dans l'IHIA, dans chaque comité, il y a un nez qui en l'air. Hello? Donc, premier triade là, c'est ange. Après, archange, principauté. Là, sont un triade lié. Deuxième triade là, qui ça me rejoint? Puissance, les vertus, puissance, quatrième lancé, puissance, dans deuxième triade, nous parler, puissance, les vertus, domination. Ça, c'est deuxième triade là tout, qui est un ange supérieur qui gère tout le bagage ça. Pourquoi comment les ça doit bien organiser? Dis-moi, amen. Là, on dit le cœur des anges, le conseil de Dieu, son baraque qui bien, administration de l'église, son baraque qui doit bien fait. C'est sous en l'air, l'armée, la terre au copier, l'université au copier. C'est pourquoi l'église a dû mettre sous place pour structurer l'église. Li. Premier triade là, qui ça nous joigne? Ange, archange, principauté. Dans le deuxième triade là, qui ça nous joigne? Puissance, vertu, domination. Regardez pour qu'il me ça au fort. Autorité de Dieu, quoi, m'explique, qui m'a tout exercice ça. Parce que si je ne fais pas ça avec un bafouin, que bon Dieu bénisse nous. On dit merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Premier triade là, on allait. Ange, archange, principauté. Deuxième triade là, puissance, vertu, domination. Dans la troisième triade là, nous pas joindre trône. Nous te voyons dans Ephésiens, nous te voyons mon trône là. Trône là, l'autre dit trône là, c'est son ciel qui est le trône là, son dimension ciel qui est le trône là. Et puis tout habitant est le trône. Si vous faites en Haïti, comment vous allez? Eh bien, ça s'est passé. Et bien, l'autre dit trône là, son dimension ciel qui est le trône qui soutient la gloire de Dieu. Qui trop pesant. Ça, bon Dieu, il bon Dieu, nerveux, il est fâché, ou bien quel content l'a dansé sur le cheval, il y a ta tombé sous nous, comme il y a quelqu'un belle comme colonne, dit ma belle. En ça, il y a soutenu la gloire de Dieu. Si vous avez dit ça, vous êtes fini. Vous fini. Son petit bagage, il faut un petit souffle sous. Pas fait intéressant. Son petit souffle, vous soufflez sous. C'est un sao qui c'est poto qui kembe onction. C'est un sao qui gagne onction. Ouais, puissance ange gagne. Dis-moi maintenant. Son côté m'a pris avec nous. Son côté m'a pris avec nous. Mon premier triade là. Ange, archange, principauté, puissance, vertu, domination. Premier triade. Dans la troisième triade là. Ange qui est inférieur à les trônes. En ça, c'est pour toi qui aime la gloire, la puissance, la sainteté de Dieu.
Après, nous finissons de jouer les trônes. Nous pas jouer 8e nom, qui c'est les chérubins. Yo les chérubins protégés. Chérubins, ça yo, les trônes, yo sous du, yo sous le trône. Les chérubins, yo autour du trône. Et puis, qu'on 8e, qui c'est les séraphins, comme 9e degré, qui au-dessus du trône, qui barrait la manifestation de la gloire de Dieu. Pas bon Dieu, non? La manifeste. Bien aimé, vous voyez qu'il y a bouilli en l'air. Si bon Dieu pas bloqué, ça bon Dieu y a tout. Je comprends un langage vulgaire. Ça bon Dieu y a trop pour lui. Il est obligé de créer des choses pour diminuer et faire. Les trônes sous. Les chérubins autour. Et les séraphins au-dessus. Qui c'est 9e nan. Ma pouè kou nasi nou bon. Ma pou sorti ordre croissant à décroissant. Premier 9e nan c'est ouais. 8e nan c'est chérubin. 7e nan c'est trône, la perfection chez nan. 7e nan. Mais gon 8e qui allait plus loin toujours. Et gon 9e. Premier 9e nan c'est séraphin, chérubin, protecteur, les trônes, colonnes, 6e, domination, 5e, vertu, puissance, principauté, l'aimer venir à Kange, qui est-ce moi, ouais, comme référence? Michel. Qui est-ce moi, ouais? Qui moun moi, ouais? Qui moi, Michel, lié? En deuxième. Eh bien, n'est qu'il était dans 8e, non? Bon Dieu, par autorité, il dit, Michel, quand même qui dans 2e, non? Montez en l'air, venez descendre, monsieur, pour moi. Dis ma mère. Isaïe lui-même, qui montait dans une dimension plus élevée, il dit, pendant la mort de Josias, qui ça l'oué? L'oué, Gombara qui couvrit, trône, non? Et puis l'oué, les sera, cap dit, Saint, 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 et l'éternel des armées, allez, toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Allez, Saint, 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 et l'éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. En sa yo, c'est ange adorateur. Okay, oh yeah. Les chérubins, c'est ange de louange. Parce que dans Isaïe, la Bible a dit, il y a un tambour en amène, il y a un flûte en amène, il y a un tambour en amène, il y a un grage en amène, il y a un micro en amène. Okay, les chérubins, c'est louange au fait, c'est militaire. Okay, oh yeah. Dis-moi maintenant. En vont à la guerre. Je mettez mette fanfare là pour motiver mes chérubins. Ce sont les militaires. C'est pourquoi on les chérubins protégés. C'est qu'on bon louange à tout le monde danser. Mais qui donne nous adoration. C'est pourquoi l'église va appeler adorer. Il plus qu'à louer. Si on a la main, c'est une onction. Mais si on dit, moi adoré. Moi adoré. Ma musique, non, mon ami. Moi adoré. Jésus, vamos. Et moi adoré. Famille, mon plat. Moi adoré. Jésus, où c'est premier? Où c'est premier dernier? Alpha et Omega. C'est premier dernier, Alpha et Omega. Yonila, Pagelo, et moi adoré Jésus, moi adoré. On compte les rives avant, oui. C'est la fin, oui. On a les Stop. Il y a eu guerre dans le ciel. On a encore. Il y a eu guerre dans le ciel.
le ciel. On dit ça encore. Il y eut guerre dans le ciel. Il y eut guerre et moi adoré. Ce quatre service là. Monsieur a fait un coup d'état pendant des myriades et des myriades années. Monsieur a fait guerre pendant des a fait complot stratégie pendant des millions et des millions d'années. Parce que Dieu est pas patient. Parce que Dieu est patient. Je monterai. Je vais regarder qui stratégie pour le monter. Dans le 9e, non. Parce que dans le 8e, pendant des millions d'années. C'est pourquoi il relève le serpent ancien. Monsieur a descendu en bas. Parce que pour sortir en l'air, pour descendre, il faut consulter chaque ange qui est dans le 7e. Pendant des millions d'années. On va mettre son coup d'état, mais ma bon général, ma bon capitaine, mettez pour qui raison, blablabla. Ange qui dans sainteté avec mon Dieu, j'applaudis le Seigneur pour moi. Monsieur dans 8e, il était dans 7e, non. Il passait des millions d'années. Pas de verset parce que l'âme est théologique maintenant. Amen. L'âme théologique. Hello? Là, mon autre dimension me double là, pas moi de me verser. Monsieur saute dans 7e celle-là, là dans 6e, non, il passait des millions d'années. Je monterai, c'est le programme. Monsieur descend dans 5e ciel-là, il passait des millions, à qui est-ce qu'il a parlé là? Des millions d'années. Monsieur descend dans 4e ciel-là. Il quitte les vertus. Il casse le 4e ciel là. Monsieur passé des millions d'années. La convaincre ange qui est dans la sainteté de Dieu. Et je ne vais pas pour me définir sur ange ou signification. Monsieur allé dans le 3e ciel là. Monsieur passé des millions d'années. Monsieur tenté Jésus-Christ en première fois et pas en Christ. Non, ma bien ma bonne dis ma mère, non. Dis pas le docteur. Quelle parole a révélé? M'a le bon verset. Quand on a l'aime sur le jour de Jésus-Christ, pas quand je le fais. Il passe côté Jésus en premier jour. Jésus pas occupé. Il vient en deuxième jour. Jésus pas occupé. Alors, 40 jours pour ange. J'ai une seconde pour ange. Faut pas quelqu'un qui passe, une seconde pour ange. Dis ma mère, non. Alors, Jean, l'ange de l'éternel a parlé avec un ange supérieur comme ça. Son paquet te passe, son paquet parle que l'ange a parlé, c'est brrrr. Les bon Dieu a baillé Moïse, non, ni. C'est environ 72 que des anges qui cité. Brrrr. T'es gros néonal. Vous avez un nom de Dieu te cité, oui. Quel est ton nom? Je m'appelle brrrr. Celui qui t'appelle brrrr. A des fois, tout ange autant de noms. Hello. La voix de l'Éternel envahit l'éternité. Les bons Dieu baillent ça, c'est tout un jour qu'on attend des noms qui passent. Moïse dit, pas attendre des ça, non. Peuple là, pas attendre, elle pourrait savoir pas rester non, bon Dieu. Monsieur allé dans le 2e ciel là. Monsieur convainc. Pendant que monsieur est sous Michel. À quel autre ange, monsieur? Il y a trois problèmes avec lui. Même si on arrive sur Archange Michel, qui est dans le 2e, non? Yahweh? Puis que son archange lié, son ange des anges, son ange de vitesse, il y a un archange, son ange qui est messager, mais qui a une dimension rapide. Mais elle est dans le 2e.
Et puis, l'archange Michel, Michel dit, ça te fait un. Monsieur convainc ça qui est plus puissant, là, oui. Amen. L'homme se fait sur deuxième. Séraphin dans deuxième, non. Tendez, je monterai des cieux, Esaïe 14 a cité. Hello, hello. Et puis, Nego dit comme ça. Adoration fait Satan courir. Adoration fait Satan courir. Adoration fait Satan courir. Fais mon plat. Adoration fait Satan courir. Plat, plat. Adoration fait Satan courir. Adoration fait Satan courir. Capé là. Vous comment faire? Adoration fait Satan courir. Adoration fait Satan courir. On Adoration fait Satan courir. On Adoration fait Satan courir. En bas. Adoration fait Satan courir. Adoration fait Satan courir. Adoration fait Satan courir. Adoration fait Satan courir. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Adoration, adoration fait Satan courir. Adoration fait Satan courir. Allez, adoration fait Satan courir. Adoration fait Satan courir. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Allez, alléluia, merci Seigneur. Neuvième ange qui a bouilli en adoration, qui a bouilli en adoration, qui a bouilli en adoration. Pendant l'adoration, a bouilli. Parce que les saints, les séraphins, ils ont les flammes de feu. C'est l'amour de Dieu. Ils sont aveugles. Ils ont 6 étoiles eux-mêmes. Ils ont 6 ailes. 2 pour couvrir eux. Parce que par un monde, ils ont un archange, ils ont un séraphin, ils ont un chérubin, ils ont un trône, ils ont un vertu. Ils ont dit adoration fait, bâton courir. Ils ont chanté, 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 chanté. Et puis, voilà, des ailes couvrir cette tête. Et puis deux ailes pour vous voler. Léophile rempli avec la colère de Dieu et l'autorité de Dieu. Yo filé en bas. Et puis yo rempli en force. Yo renforcé Michel. Bible a dit yo précipité Michel. Applaudis le Seigneur. Et pas tomber, tomber. C'est précipité. C'est précipité. Bonhomme s'est précipité, tel il frappe la peau, 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 précipité. Viens comprendre Genèse 1, verset 2. La terre devint informe et vide parce que trop Saint-Tintin tombait sous la terre. Applaudis mon Dieu pour moi alors. Adoration en fait tout le monde s'est tombé. Pi. Pendant que monsieur s'est tombé, c'est monté descendre son guerre. Monsieur prend un tiers dans chaque anjonnette. Il passe dans 8e, il prend un tiers. Il passe dans 7e, qui ça prend un tiers. Il passe dans 6e, qui ça prend un tiers. Il passe dans 5e, il prend un tiers. Dans 4e, un tiers. Dans 3e, un tiers. Dans 2e, un tiers. Dans 1er, un tiers. En Isaïe, tombé sous la terre devient informe et vide parce que tu étais dans créé déjà, mais n'est pas qu'il y a l'homme sous yo, mais tu étais en orbite, tu étais en étoile, tu étais en soleil, tu étais la mer, tu étais en plante, toute bagasse ça a précipité, tombé, la terre devient informe et vide et par conséquent, tout dinosaure que tu gagné là yo, il commence à péri, comme ça mourir parce que la terre vient désorganisée. Cet esprit qu'on a là, après des myriades d'années, il retourne couvrir la terre pour bailler forme, pour restaurer la terre. Parce que ça, bon Dieu, fin craser, fin organiser, fin construire, non volonté, les papes perdus. C'est pourquoi l'homme péché est d'accord pour restaurer l'autorité de l'homme à travers un homme qu'on appelle Jésus. Et c'est à partir de Jésus que l'autorité à travers l'église. On dit alléluia. Les messieurs, ouais, petit premier victoire ça. Et puis, même côté, à bon Dieu, réformer la terre. Et bien, mettez l'homme. Il dit, en bien, ok, je vais dire premier tour, et je vais dans deuxième tour. Il passe à travers l'homme, il crase encore, il brille,
Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, et par conséquent, il a le pouvoir, il a l'autorité pour marcher sur le lion, sous l'aspect, sous la puissance de l'ennemi. C'est pourquoi nous n'avons rien, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les chérubins, mais contre les archanges, contre les principaux, contre les vertus, contre les puissances, contre les anges qui deviennent